Dit Divita, secrétaire exécutif provincial du syndicat des médecins de la République démocratique du Congo, si mes consignes. Oui, effectivement, il y a un certain nombre de comptes vérités qui ont été euh, qui, qui ont été diffusés à travers l'interview que vous avez accordée au confrère qui est passé avant nous, et il est de notre responsabilité de recadrer pour éviter tout malentendu. Euh, au départ, qu'est-ce qui s'était passé Il s'est accumulé un grand nombre de médecins non payés, dont on ne percevant pas la prime des risques. C'est ainsi que, euh, dans les années 2019, on a recensé environ 8000 médecins non payés. Et il a été constitué un fichier global de tous les médecins non payés. Et il a été décidé... Que l'alignement devait être programmé sur base des critères objectifs, notamment le critère le plus important, l'ancienneté. C'est ainsi qu'un fichier de programmation a été produit. Et déjà en son temps, à l'époque avec le ministre Eteni, il y a eu des tentatives pour briser cet ordre établi. Je me rappelle déjà en ce moment-là, il y avait des collectifs des médecins de l'UDPS, collectifs des médecins de l'UNC, mais le ministre honoraire, s'est placé pratiquement au-dessus de la mêlée et n'a pas voulu que ça soit fait sur base de l'appartenance de qui que ce soit un parti politique, mais sur base des critères objectifs, notamment l'ancienneté. Et c'est ce qui a été fait tout ce temps-ci. Mais fort malheureusement, déjà à l'alignement passé du mois de juillet, il y a eu un premier forcing où on a recommandé pratiquement 200 personnes. Nous, en tant que syndicat, on a tenté un tout petit peu d'essayer d'opposer, mais après, bon, on s'est dit qu'on laisse passer les choses parce que euh, le train était déjà en marche. Mais au bout du compte, on a vu qu'on a puisé même des gens qui n'étaient pas dans le fichier, et certains cas ont pratiquement choqué l'opinion du médecin. Arrivé à ce trimestre où il fallait encore aligner, sur les 800 à proposer, à aligner plutôt, le cabinet du ministre... A, a pris une part pratiquement de 300 médecins recommandés. Plus de 40% des médecins alignés. Et nous, en tant que syndicat, on s'y est opposé parce qu'on estime qu'on doit prendre tout médecin, tout agent de l'État sur le même pied d'égalité. Et lorsqu'il faut sélectionner un groupe, ça doit être sur base des critères objectifs, non pas sur des appréhensions qui sont plutôt subjectives ou bien sur base de l'appartenance à un quelconque parti politique ou monéage de, de cet alignement. Ça, c'est le premier argument majeur. Le deuxième argument majeur qui a fait que nous, syndicats, on n'a pas voulu qu'on continue l'alignement dans ce cadre, plutôt qu'on peut dire même informel, c'est qu'à l'issue de notre grève, il y a eu signature d'un arrêté interministériel, engageant pratiquement tous les gouvernements. Et cet arrêté ministériel a mis en place une commission permanente Devant harmoniser l'enveloppe de la paye, tant des médecins que des autres agents du secteur de la santé. Et nous estimons que c'est ce cadre-là, légal, qui est approprié pour sélectionner les médecins alignés. Et c'est dans ce cadre que nous estimons que les droits de tous les médecins pourront être sécurisés. Nous tenons également à souligner que la dite commission interministérielle qui a été mise en place est chargée également du suivi de l'accord. Donc le blocage dans la mise en œuvre de cet accord est intimement lié à la mise en œuvre de cette commission. Donc tant que cette commission n'est pas activée, même le suivi de l'accord va poser problème. Euh, effectivement, c'est ça un peu le problème avec les politiques. L'urgence pour eux, c'est quand on est en grève, on signe un accord. C'est ça pour eux l'urgence pour que la grève prenne fin. Mais la mise en œuvre de l'accord signé pose souvent problème. Ce qui nous rappelle le passé douloureux des engagements non tenus par le gouvernement. C'est ainsi qu'on a mis en garde le gouvernement, notamment même le cabinet de son Excellence, Monsieur le Ministre, qui certains par leur comportement sont en train de torpiller l'accord que nous avons signé avec le gouvernement. On les a mis en garde et je pense dans un délai assez court, on va remettre la parole aux médecins qui vont tenir des assemblées pour se décider de l'attitude appropriée à avoir vis-à-vis -vis du gouvernement. Loin de là. La grève va concerner nous, les médecins, pas l'administration de la santé, pas l'administration du budget. Donc, euh, ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. Nous pouvons bien sûr être en grève et le reste du travail peut se faire. D'ailleurs, il faut noter que même l'alignement à la prime de risque fait partie des engagements du gouvernement dans cet accord. Mais le gros des engagements s'attarde, notamment, par exemple, euh, l'ajout dont on devait bénéficier depuis le mois de juillet. Voilà, un mois après signature de l'accord, ça traîne. Le dossier serait bloqué au niveau du ministère des Finances. Il y a des actes administratifs qui devaient être posés. Par exemple, l'admission sous statut des médecins euh, encore NU. Notez par exemple que tous les médecins affectés depuis 2014 sont nouvelles unités jusqu'à ce jour. Il y a la notification euh, du décret de nomination aux grades inférieurs, c'est-à-dire aux médecins médecin juniors et médecins régents. Et même la signature de l'ordonnance présidentielle, nommant les médecins généraux, chefs cliniques et euh, médecins résidents. Tout cela traîne et ça risque d'avoir des conséquences plutôt négatives par rapport euh, à la prise en charge, disons, à la prise en compte des impacts financiers de ces actes administratifs qui devaient être pris. Euh, en, en 2021 voilà pourquoi on est inquiet et on est, on bouscule pour que dans le meilleur délai que le gouvernement honore ses engagements et que ensemble nous puissions avancer